Heureux de vous retrouver, vous êtes dans Miamao Live, votre bande de son. Heureux de, d'être là à chaque fois avec des artistes complètement différents. C'est le DJ cofondateur et directeur artistique des soirées Discoquette. Tout à fait. C'est ça hein, que je reçois dans Miamao Live XP. Bonjour. Merci, bonjour, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on se connaît un peu, hein, je vous Tout ai connu fait. Comme responsable de la com à Concrète 2018-19. Bah, juste avant la fin, ouais, tout juste, à fait. Juste avant la fin juste Concrète, et après on a travaillé un tout petit peu ensemble. À dehors brut, vous mixiez déjà à l'époque hein. Je mixais déjà, oui, et j'ai eu l'occasion de jouer d'ailleurs, d'ouvrir le closing de Concrète. Oui. Sur le wood floor, ouais. Avec Pasteur Charles et avec Brice, avec et de jouer aussi à Dehors Brut après, par la suite. Par la suite, vos sets sont remplis de house et de dark disco. Vous avez commencé quand en fait à mixer? J'ai commencé, je crois, il y a 8 ans, ouais. Avec une histoire un peu amusante. C'est que mon ex de l'époque m'a dit, écoute, tu m'emmerdes avec la musique, il faut que tu sois DJ. Mm-hmm. Et le dernier cadeau qu'il m'a fait avant qu'on se quitte, c'était des premières petites platines. D'accord. Voilà. Vinyle ou Non, c'était vraiment un tout petit contrôleur. Okay. Et il m'a dit, vas-y, il faut que tu te lances. Et je me suis lancé. Et voilà, donc ça fait 8 ans, je crois, quelque chose comme ça. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous venez d'où? Je viens de région parisienne, ouais. Je viens des Yvelines, joli terreau de la musique électronique avec les Phoenix et Daft Punk. Voilà, je viens de là et puis j'ai dans mon parcours professionnel, je voulais de toute façon allier musique électronique et communication. C'est comme ça qu'on s'est aussi connus et c'est ce que j'essaye de continuer à faire. De continuer. Alors, mêlant culture house et show drag, vous avez fondé les soirées Discoquette. Oui. Le collectif a 6 ans cette année. Oui, on vient de fêter nos 6 ans et voilà, le but c'était aussi avant que RuPaul's Drag Race devienne aussi célèbre que c'est maintenant. Le but c'était aussi de présenter à la fois la culture drag à un public large et en même temps la culture house et de vraiment avoir et des bons shows et de la bonne musique dans nos soirées. Vous vous développez de plus en plus finalement. Ouais, on se développe de plus en plus. Là, on va faire une de nos premières dates à l'étranger en Suisse en janvier. On joue à Marseille, à Reims, à Rouen, un petit peu partout. Vous êtes sollicité? Ouais, on est sollicité. Alors, ce sont quoi, c'est des artistes drag qui viennent mixer, pas forcément. Non. C'est le show qui est autour. Ouais, on a une artiste drag résidente qui est aussi DJ, qui s'appelle Victoria Lachose. Ouais. Mais vraiment, le but, c'est d'avoir des DJ sets ou des lives de qualité pendant la soirée et d'avoir un moment, le show ou les shows présentés par les drag queens. Voilà, et de tout intégrer au milieu de la soirée, pas de faire ça au début de la soirée. On veut vraiment que les gens assiste au show, donc en général on le fait en milieu de soirée pour que tout le monde puisse le voir. Et c'est parti de quoi en fait, cette idée de devoir allier les deux? Alors déjà je dois un peu ça aussi à la House of Moda qui était une soirée, ouais, qui existait avant et qui déjà avait un petit peu ce concept là et je sais pas, j'avais un peu des idées de j'avais le studio 54, j'avais le palace en tête, enfin voilà, j'avais envie de la fête un peu exubérante et ouverte au plus grand nombre possible. Rendre en fait la fête plus belle et plus lumineuse quoi. Exactement, oui, tout simplement. Et en général, ça apporte la présence des drag queens ou des drags en soirée, hein, parce qu'il y a des drag kings aussi. Ça apporte forcément de la joie, de la bonne humeur et une ambiance qui est différente. Alors, vous avez également fondé le projet de disque du Lobby, ouais, label dédié à la promotion des artistes de la scène LGBT+++++. Exactement. Depuis quand? Depuis le confinement, ouais. Parce que je m'embêtais fortement comme nous toutes et tous. Et j'avais envie voilà, de créer une sorte de plateforme de promotion des artistes françaises et français de musique électronique. De tout style, finalement. De tout style. Alors maintenant, le projet est devenu un label. Au début, c'était juste une chaîne SoundCloud. Maintenant, c'est devenu un label et ça se tourne un peu plus vers la musique électronique. Mais au tout départ, c'était tout style confondu. Et voilà, on sort quelques sorties par an et de la musique électronique dans tous ces styles, pour le coup. Le tout sur une plateforme. Alors, le tout, alors à la base, c'était une chaîne SoundCloud. Maintenant, c'est vraiment un label, donc avec une distribution assez classique. D'accord. Mais voilà.
c'est pour rendre meilleure la visibilité des artistes queer. Exactement, ouais, c'est ça. Moi, j'ai un peu, bah, ça a fonctionné d'ailleurs pour certains. Il y en a un qui s'appelle Cabal, qui est un jeune artiste trans montpelliérain qui a été découvert par une des sorties qu'il a faites et qui a aujourd'hui à signer chez un tourneur et tout ça. Donc voilà, c'est aussi pour ce genre de choses. Donner la visibilité à nos artistes queer qui ont du talent. Des artistes queer que vous aimeriez signer sur votre label ? J'en ai Moi, plein en tête. Moi, j'ai vu des interviews. Hein, j'en ai plein en tête. Oui, oui, bah, dans les interviews. Bah, c'était les vieilles interviews. Donc, au début, c'était. Alors, maintenant, je m'oriente vraiment plus vers la musique électronique. Après, c'est vrai que j'adorerais faire rencontrer aussi des artistes qui sont très établis, comme par exemple Kiddy Smile, avec des moins connus. Pour aussi profiter de la notoriété des artistes connus et pousser ceux qui doivent être connus. Donc voilà. Il y aura bientôt des soirées lobby. Ça fait bizarre. Ouais, j'aimerais bien. Soirée bizarre, soirée lobby. Ouais, ben je pense qu'en 2024 c'est quelque chose que je vais développer, mais on verra. Alors il y a votre propre side project Zone Grise avec votre camarade No One Famous qui se développe aussi. Ouais, No One Famous, c'est quelqu'un que j'ai rencontré via à Concrète d'ailleurs, et en fait on s'est re-rencontrés via Tsugi Radio, on s'est invités à jouer l'un et l'autre, et en fait de là est né un projet qui s'appelle Zone Grise. En fait on n'a pas du tout les mêmes univers musicaux, lui il est très EBM techno et moi du coup plus house et dark disco, et du coup la première fois qu'on a joué ensemble ça a tellement bien marché qu'on s'est dit il faut qu'on en fasse quelque chose. Et du coup, ouais, on essaye de développer un peu le projet. On va sans doute produire en 2024 et on va jouer au Mazette pour la soirée New Track en février. On vous rajoute les dates, bien sûr. Ah, vous êtes un hyperactif, finalement. Ouais, je sais pas tenir, rester en place. Vous avez la bougeotte. J'ai toujours la bougeotte, ouais. Après, il faut que je réussisse à bien tout faire, mais j'ai toujours la bougeotte. Une dernière question. Vous êtes plutôt peak time ou closing? J'aime les deux. J'adore les warm-up aussi. Ouais. Si vous deviez choisir. J'ai commencé beaucoup en closing. Je faisais beaucoup les closings des soirées discoquettes au tout début, donc je dirais closing. Cool. Merci. C'est l'heure de monter le son. Très bien. Je récupère le micro. On ferme bien le petit clapet derrière. C'est parti pour un voyage à travers l'histoire de la musique dance queer par l'homme de discoquette. C'est bien sûr XP dans Miamao Live.